Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Merci pour ce dernier rendez-vous dominical parce que dans quelques heures, on sera lundi déjà à partir de minuit. Donc, sauf si il y a une information de dernière minute, sinon on se verrait seulement demain. Préparons-nous militairement pour chasser les bongos du pouvoir. J'ai déjà avancé cette option à plusieurs reprises, même dans le cadre du Haut Conseil de la Révolution. Et je viens encore réitérer ici la nécessité pour chacun de nous de mettre un peu d'énergie dans ce plan visant à nous préparer militairement pour faire partir
les bongos du pouvoir. L'expérience a démontré que toutes les dictatures qui ont duré ne sont pas tombées par voie électorale. Ce qui est en train de se dessiner en ce moment-là ne vise qu'à maintenir les bongos au pouvoir. Le plan qui est fait là, qui consiste à faire en sorte que les bongos qui sont aujourd'hui en rupture de ban entre eux, ce plan-là, qui consiste à faire qu'ils s'unissent, c'est pour la préservation du pouvoir. Le plan qui consiste à faire venir le fils de la défunte Edith Lucie Bongo ne vise que la préservation du pouvoir. Alors, nous sommes donc obligés de voir les choses sous un autre angle. Quand je vous ai dit que les nouvelles sont presque bonnes, je n'ai pas dit qu'elles sont bonnes, je dis qu'elles sont presque bonnes. Bonnes parce qu'on a tenu compte déjà de cette volonté populaire d'arriver à la vacance du pouvoir. Donc s'il y a une transition, c'est parce que nous l'aurons réclamé à U et à Dia, à cor et à cri. Maintenant, il faut faire que cette transition soit profitable au peuple et qu'elle soit l'expression de la souveraineté populaire. Tout le peuple m'enseigne-vous. Mais si on arrive à la vacance du pouvoir et que Noureddine Bongo assure la transition, est-ce que vous êtes sûr qu'au terme de cette élection, il ne va pas se représenter? Moi, je ne suis pas sûr. Je sais que ce petit voudra aller plus loin. Parce qu'il se sera familiarisé avec les friandises du pouvoir, avec les honneurs. Donc, il ne pourra pas laisser tomber. Donc, résultat, ce serait une alternance manquée encore, comme en 93, en 98, en 2005, en 2009 et en 2016. Donc, cette option de laisser ces gamins assurer la transition ne nous garantit pas l'alternance. Parce que quelqu'un qui aura assuré la transition, même si c'est juste la transition juridique, comme ça a été présenté dans certains salons feutrés, et qui voudra organiser l'élection, on n'organise pas une élection pour la perdre. On l'a vu dernièrement en Guinée et en Guinée-Conakry avec Alpha Condé. Parce qu'un président en place qui organise une élection, ce n'est pas pour la perdre. On l'a vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pratiquement. Donc, je me dis, on ne peut pas sortir de l'ornière en poussant la sorte. Donc, il faut une vraie transition. Quand on va déclarer la vacance du pouvoir, il faut une remise à plat de toutes les institutions. Or, leur transition, ils voudraient continuer avec le même gouvernement. Il y aura peut-être quelques petites modifications qu'ils vont faire parce que, à ce qui semble, Léonard Ndjembé ne pourra pas être président du Sénat. Ils sont en train de l'écarter. Je ne comprends même pas ce monsieur. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. On n'a jamais eu à discuter. Je le vois à travers la télévision. J'ai entendu les collègues parler de lui. Mais Léonard Ndjembé, c'est quelqu'un de calme. Moi, je reconnais les qualités des autres, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a que chez nous dans l'opposition où il y a des gens qui ont des qualités. Mais Léonard Ndjembé, vous l'avez jamais vu passer à la télévision pour agonir les jours des opposants. Ce n'est pas quelqu'un à palabre, c'est quelqu'un de discret, d'après ceux qu'ils connaissent. Donc, voilà quelqu'un qui était pressenti pour être président du Sénat. On estime qu'il est du Haut-Ogooué, qu'il est Obamba, il peut garantir les intérêts. Mais là encore, les Batéké n'ont même pas confiance aux Obamba. Donc, ils veulent l'écarter pour placer comme présidente du Sénat l'actuel Premier ministre Jean-Christian Osuka-Raponda. Parce qu'elle leur présente les garanties de l'OAS. C'est tellement parce qu'elle a des origines aussi des métèques, parce qu'aujourd'hui les bongos ne font confiance qu'aux métèques. Ils ne font pas confiance aux Gabonais. Donc, c'est propulsé Osuka-Raponda au poste de président du Sénat pour organiser l'élection de 2023, peut-être bien avant. Et ensuite, mettre Guy Patrick Obiang en faire un premier ministre
Donc, c'est lui qui va coordonner l'équipe gouvernementale. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas s'attendre à autre chose. Accepter ça. Si les opposants acceptent ça, ce qu'ils vont encore se faire dribbler comme en 2016 et les années précédentes. Donc, à partir de ce moment, il faut dire non. Nous, on veut une vraie transition avec une remise à plat de toutes les institutions. Il faut revisiter les fondamentaux de la République au cours de cette transition. Il faut ramener le mandat présidentiel à 2 tours, l'élection, le mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Il faut revoir le fichier électoral parce que ce fichier électoral a été trituré par le pouvoir en place dans l'option de tricher, comme ça a été le cas, avec cette population gonflée dans le Haut-Ogooué qui est devenue le réservoir électoral des Bongo. Alors qu'on sait très bien que, naturellement, là-bas, ce n'est pas la population qui a été déclarée. Donc, une transition où on n'aura pas revu toutes ces choses-là, elle n'aura servi à rien. Elle n'aura servi qu'à donner une caution morale à une autre imposture, à une autre forfaiture. Donc, à partir de ce moment, il faut être fou pour accepter ça. Donc, si on va à une élection présidentielle, il faut une option militaire. En disant, on va à une élection, d'abord, on va revisiter tous les fondamentaux de la démocratie dans notre pays, de la République. Et après, on fait une remise à plat de toutes les institutions. Demander aux réfugiés politiques qui sont à l'extérieur de rentrer et que le meilleur se présente, ceux qui voudront se présenter à l'élection présidentielle se présentent et comme ça, le peuple va choisir le meilleur. Donc pendant cette période de transition, même si elle doit durer 1 an, 2 ans, mais tant qu'elle nous permettra de revoir un certain nombre de choses, parce que on ne peut pas soigner une plaie sans commencer par la pensée. Vous pouvez tout de suite prendre des médicaments badigeonnés. Il faut d'abord nettoyer cette plaie. C'est comme ça. Ceux qui ont fait la médecine savent comment ça se passe. Je n'ai peut-être pas les termes appropriés. Mais un pansement s'impose toujours. Sinon, ce serait infecté. Si on va à une élection dans ces désordres actuels, avec un fichier électoral tronqué, ça, on n'obtiendra pas du tout les résultats escomptés. Donc, on est obligé d'exiger plus que ça. C'est pourquoi le peuple doit cesser de dormir. Il faut que de notre côté, on commence à se préparer militairement. Je dis bien militairement. Comme ça, quand ils sauront qu'il y a du répondant en face, ils ne feront pas ce qu'ils ont fait en 2016. Parce qu'en 2016, ils ont fait ça parce qu'il n'y avait pas de répondant en face. S'ils savaient que les autres en face étaient organisés, ils n'auraient pas fait ça. Je vous dis souvent que tant que le singe ne vous a pas vu avec la tête d'un autre singe, il n'aura pas peur de vous. Tant que le singe ne vous a pas vu avec la tête d'un autre singe, il n'aura pas peur de vous. Donc, en ce qui concerne le Gabon, l'opposition doit avoir une branche armée et qui doit être bien structurée. L'ANC en a eu à un moment donné, au plus fort de l'apartheid. L'ANC a été obligée de solliciter un certain nombre d'États pour combattre les tortionnaires qui étaient là. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu quelque chose que vous ignorez. Sylvia Bongo a fait venir des armes. Sylvia Bongo est première dame. La semaine dernière, elle a fait venir des armes qui ont été réceptionnées par le génie militaire et conduites vers un lieu de stockage. Mais Sylvia Bongo fait venir des armes en tant que qui? Première dame, ce n'est pas une armée. Donc, vous voyez, elle se présente, se prépare à cette option. Ça signifie qu'en dehors de l'armée régulière, elle a ses milices qu'elle aimerait récupérer, qu'elle aimerait former, parce qu'elle veut imposer son fils. Et aujourd'hui, on a un problème dans notre armée. On a une armée inefficace. Là, l'armée de terre va aller aux missions, il y a des missions de maintien de la paix en Afrique, notamment à Bangui. Mais c'est une armée qui n'est pas bien formée. On est obligé d'envoyer encore ces militaires dans les champs de tir pour apprendre un certain nombre de réflexes pour opérer sur le terrain.
Cette armée régulière, cette armée n'a pas du tout de munitions, on n'a pas d'armes. Aujourd'hui, on a suréquipé la garde républicaine. On a suréquipé la garde républicaine et du coup, toutes les armes et la garde républicaine est devenue même toute une armée aujourd'hui. Vous avez toutes les branches. Donc, vous avez même des plongeurs là-dedans, vous avez des sapeurs-pompiers, vous avez des parachutistes maintenant. Alors que nous avions une armée qui avait tout ça. Mais la garde républicaine est devenue aujourd'hui la plus suréquipée, à tel point que l'armée nationale ne pourra même pas faire face à celle qui est désormais une milice, la garde républicaine. Elle est dévolue à des missions des escadrons de la mort, en un mot. Regardez par exemple à Essassa chez Marie-Madeleine Bronsot, son école ou son université Berthe-Jean. C'est la garde républicaine qui garde là-bas. Mais en tant que qui? La garde républicaine garde l'université de Mburantsou en tant que qui? C'est une université privée. Pourquoi déployer autant de soldats et de moyens militaires pour garder une école privée alors qu'il y a des missions régaliennes dévolues à l'État? Donc, vous voyez tout ça, on ne peut pas compter aujourd'hui sur cette garde républicaine parce qu'elle est au service du clan Bongo. Elle est au service du clan Bongo. On ne peut pas compter donc sur la garde républicaine. On ne peut pas compter aussi sur notre armée régulière qui n'a pas de moyens, qui est mal formée. Un militaire confié d'ailleurs à un compatriote, à un combattant de la liberté, en disant qu'on ne peut même pas faire face à la garde républicaine parce que sinon elle va nous écraser, nous n'avons rien. Pas de munitions, pas d'armes. Aujourd'hui, dans l'armée, pour avoir droit au port d'armes, pour avoir une arme, il faut être au minimum colonel. Quand tu es colonel, on te donne une arme, un pistolet. Or, à la garde républicaine, du premier au dernier, chacun a une arme. Donc, vous comprenez? Ce n'est pas bon. Il faut absolument. Celui qui dit que tu mens là, si tu es pour le Mburantsou, on s'en fout, tu dégages d'ici parce que tout de suite tu veux te barrer. La garde républicaine est là-bas. Mburantsou aurait pu prendre la SGS, ce sont les milices. Donc on a tous des enfoirés comme ça pour venir distraire. Il y en a tellement, des enfoirés, il y en a tellement dans notre pays pour distraire. Mburantsou est gardé par la garde républicaine. Ses institutions sont gardées par la garde républicaine. Ses écoles privées, ses biens sont gardés par la garde républicaine. Donc, vous parlez de quoi? Vous pensez que je ne suis pas informé? Alors, quand on est bête, on ferme tous les trous. Donc, mes chers compatriotes, on n'a pas la garde. Lorsqu'on a eu les accords de Paris, on a changé la dénomination de la garde présidentielle en garde républicaine. Parce que la garde présidentielle, c'était juste, c'était trop porté vers la présidence de la République. Mais quand on a changé ça en garde républicaine, ça signifie que c'est une armée qui est au service du peuple, qui garde le peuple, qui garde la République. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, naturellement, elle garde des individus. Donc, on se trouve avec cette situation qui ne nous avantage pas pour la libération du Gabon. Donc, à partir de ce moment, il faut qu'on envisage une option militaire. Ça s'est vu en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Là où les dictatures n'ont pas voulu partir, il faut une rébellion même à la limite. Organiser une rébellion bien armée, bien structurée, pour chasser les bongos du pouvoir. De toute façon, même l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à un peuple ce pouvoir de réagir quand il est opprimé. Et là, nous sommes opprimés. Depuis 53 ans, c'est la même famille. Et la France veut nous imposer la même famille. Non! Il faut renvoyer un signal fort à la France pour qu'elle apprenne à nous respecter et à respecter nos aspirations. Si la France ne peut pas nous aider, on peut aller voir même les Russes, ce que les Maliens ont fait. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi nous imposer les bongos? Donc sans les bongos, le Gabon ne peut pas exister. On connaissait les bongos avant. Donc il nous faut une branche armée. Je vous ai dit, on a créé le Haut Conseil de la Révolution. C'est pour tout ça. J'ai vu plus loin. Contrairement à ce que vous pensez, je ne pense pas seulement mon temps à dormir. Je réfléchis, je dors peu. J'essaie d'appeler des amis qui sont ailleurs pour voir un peu l'expérience. J'ai des amis en Côte d'Ivoire, j'ai des amis au Mali, des amis un peu partout.
Donc, j'essaie de m'inspirer de leur expérience. Donc, à partir de ce moment, on est obligé de voir comme les autres. On ne doit pas rester spectateur là et être admiratif des prouesses des autres à l'extérieur, de voir le Mali, voir la Côte d'Ivoire, voir d'autres pays se libérer. Nous, on doit être seulement un spectateur. Pourquoi? N'avons-nous pas cette intelligence? Ne sommes-nous pas des humains? Nous n'avons pas ce cerveau humain qui peut nous permettre de nous inspirer de ce qui se passe positivement chez les autres? On n'a pas de choix. Ou c'est eux, ou c'est nous. Et il faut éviter cette résignation, ce découragement, parce que ces gens-là misent sur le découragement du peuple gabonais. Ils misent sur le découragement du peuple gabonais. Donc, il faut absolument revoir ces choses-là. Maintenant, les imbéciles qui viennent souvent distraire, donc à distraire, parce que moi, j'estime que ce pays est en danger, mais ils vont fuir, ils vont tomber ensemble avec ces gens-là. Ceux qui font dans la distraction. Ceux qui font dans la distraction, nos cafés dans la distraction, ces chiens-là, ils comprendront que le pays est en danger. Donnez le pays à Nourdine, vous allez voir, vous allez regretter. Vous allez voir comment les Arabes se comportent. Nourdine, c'est un Arabe. C'est un Marocain. Et il va vous châtier. Vous avez vu la constitution? La constitution qui a été taillée sur celle du Maroc. Est-ce que vous avez vu ça? Il va bien vous fouetter. Il va vous transformer en cochon. Je dis, vous qui êtes au pays, nous sommes à l'abri du besoin. Donc, moi, je suis venu vous prévenir. Faites attention. Il nous faut une armée aujourd'hui. Et arrêtez cette histoire de dire que non, on n'a pas de gens chez nous, on n'a pas de leaders. C'est quoi votre problème? Vous pensez que le Gabon est dépourvu de cadres pour remplacer Ali Bongo, pour remplacer les Bongo? On dit chez moi en pays d'ici que si tu vas en brousse chercher du bois, il faut regarder les bois de traverse là. Tout ce que tu vois, les bois que tu vois là, que tu traverses, c'est tout ça le bois de chauffage. Donc, ce n'est pas la peine de chercher un Messie qui viendra du ciel. Il ne viendra pas du ciel. Personne. Il n'y aura pas. Ce n'est pas Jésus. Parce que je vois les Gabonais qui sont dans cette sorte de résignation. Oh Jésus, sauve-nous. Quel est Jésus qui viendra vous sauver? Jésus est mort, il est pourri, il est pourri. C'était un humain, c'était pas machin. Jésus était un humain. Attends, vous racontez quoi? Celui qui tombera du machin, là où il est parti, pour venir vous sauver. Vous êtes incapable de ne serait-ce que de réfléchir. Donc tout ça, c'est Jésus qui vient réfléchir à votre place. Mais il faut être sérieux. Cette histoire de dire toujours oh, oui, il faut. Qu'on aille prendre ailleurs. Pourquoi vous allez prendre ailleurs? On a des compétences. Voilà ce qui a tué le Gabon. Parce que Ali Bongo, c'est complexé, c'est médiocre président. A passé tout son temps à s'appuyer sur des compétences extérieures qui ne connaissent pas les réalités du pays. Même les simples études sur la pauvreté au Gabon ont été réalisées par des cabinets anglais et américains. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que les Américains peuvent connaître de la pauvreté au Gabon? Qu'est-ce que les Anglais peuvent connaître de la pauvreté au Gabon? Tout est importé. La matière grise est importée. Il y a un problème. Et on veut maintenant importer les dirigeants. Depuis que Omar Bongo est mort, et Tutsi Bongo est mort, est morte, ces enfants ne vivent pas au Gabon. Ils ne connaissent pas les réalités du Gabon. Donc vous allez prendre un enfant comme un petit junior qui sort de l'école, je l'ai contrôlé. Pour venir en faire un président. Mais il faut être malade. Les Gabonais, on a un problème. On ne reconnaît pas les valeurs parmi nous, alors qu'il y a des valeurs qui sont là. Il y a un problème dans ce pays. À cette année, nous n'allons pas nous en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, moi, je voudrais vraiment vous appeler à une grande réflexion. Nous avons créé le Haut Conseil de la Révolution. Alors appuyons-nous sur cet organe, même si c'est moi qui ai eu l'idée. Mais je ne veux pas m'approprier ça en disant que c'est pour moi, non. J'avais proposé, il appartient à chacun d'enrichir ça. Il nous faut des cotisations, il faut des contacts déjà. Il faut voyager dans les autres pays pour prendre des. Puisque la France veut soutenir les Bongo, d'accord. Mais il faut démontrer qu'à la France, on peut se passer d'elle. On va imposer le rapport des forces.
Et après, la France sera obligée de faire avec nous. C'est tout. La France sera obligée de faire avec nous. Si on est en position de force, la France va se plier à l'exigence du peuple. Mais si on laisse les Bongo en position de force, la France se met toujours du côté des forts. La France ne se met pas du côté des faibles. Jamais dans tous les pays du monde. Donc, moi, je vous dis, arrêtez ça. Oh non, on n'a pas de leader, on n'a pas de ceci. Vous racontez n'importe quoi. Ça signifie que si on ne reconnaît pas les valeurs, c'est parce que nous-mêmes ne sommes pas des valeurs. Mais quand on a une valeur, on reconnaît les valeurs chez les autres. Parce que la situation du Gabonais aujourd'hui s'apparente à cette femme-là qui dit « Je ne veux pas me marier, je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. L'homme de ma vie n'est pas encore né. » Ah bon? L'homme de ta vie n'est pas encore né? Mais là, je passe. Parce que c'est ça la situation du Gabonais. Le Gabonais est comme cette femme-là. Toujours, elle vient, les gens viennent demander sa main. Elle dit « Non, je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Oh non, ce n'est pas mon genre d'homme. » Ah. D'ailleurs, je vais terminer cette live en vous racontant une histoire que m'avait racontée mon grand-père sous le clair de lune. Dans un village, il y avait une femme très belle. Elle était tellement belle que elle pensait qu'elle était un luxe pour les hommes du village. Tous les hommes venaient la désirer. C'était la fille du roi d'Enzambi. Elle s'appelait Marundu. Et à première instance, elle a même refusé les avances du jeune qui était là, un grand chasseur, qui s'appelait Mumbina. Elle disait non, l'homme de ma vie n'est pas encore né. Elle a refusé Mumbina parce que Mumbina avait une simple cicatrice au niveau du pied. Au cours d'une partie de chasse. Elle dit non, moi mon mari ne doit pas avoir une égratignure comme ça, jamais. Mon mari doit être vraiment Kiev, comme disent les filles de chez nous. Surtout vous les Gabonaises là. Donc, elle disait non, ma vie n'est pas encore. Et un jour, elle était assise, comme ça à la cour. Elle a vu un bel homme surgir au bout du village. Un bel homme, il était beau. Pas comme Ali Bongo, Ali Bongo n'est pas beau. Donc cet homme a surgi, pas de gratinure, rien. Marundu a dit, ah voilà, l'homme de ma vie est là, c'est lui que je voulais. Elle a couru voir son père d'Enzambi pour dire, papa, l'homme de ma vie est déjà là, il faut organiser le mariage. Allez, on a organisé un grand mariage faste. Et puis, le gars, après le mariage, il fallait amener la femme chez lui, comme le veut la tradition. Et c'est comme ça que ils prennent le chemin du village du mari pour que Marundu aille dans son foyer. Ils ont marché, arrivé à un endroit. Ils ont bifurqué pour prendre un petit couloir. Et le couloir a été tellement étroit et souterrain que Marundu a commencé à poser des questions. Il dit, mais tu m'amènes où? Il dit, mais c'est chez moi. Il dit, mais on passe par là, mais là, il y a des cimetières. Mais déjà, quelque chose a commencé à intriguer Marundu. C'est qu'à mi-chemin, le nouveau mari enlève la chemise. Après, il dit, mais pourquoi tu enlèves la chemise? Il dit, non, il fait très chaud. Et quand ils arrivent au niveau de l'entrée du couloir, là, du canal souterrain, là, la femme enlève maintenant aussi le pantalon. Le monsieur enlève le pantalon. Il dit, mais pourquoi tu enlèves tout ça? Il dit, non, il fait très chaud. On est presque arrivé. Suis-moi. Marundu hésite et prend Marundu par la main. Il dit, on entre. Et après, quand tu rentres dans ce couloir-là, au bout, c'est un cimetière. C'est un cimetière au bout. Il dit, comment ça, ici, sur le cimetière? Il dit, c'est ici où j'habite. Tu refusais tous les hommes-là. Peut-être ils habitent les palais, mais moi j'habite ici, au cimetière. Après, il y avait des odeurs bizarres qui commençaient à sortir. Marundu a commencé à regretter. Et elle a dit à Marundu, tu es venu ici là. Tu ne répares pas. Tu cherchais les hommes qui étaient beaux, qui n'avaient pas de gratinure. Mais moi, je suis un mort vivant.
Je sens. Alors, commence à me chauffer de l'eau pour me baigner. Marumba a commencé à pleurer. Il dit, mon Dieu, j'ai refusé des gars qui étaient mieux, qui étaient des vrais humains. C'est maintenant un fantomatique homme comme ça que Dieu a mis sur mon chemin. Qu'est-ce que j'ai mérité? Elle était là comme en prison, puisque l'entrée du tunnel était fermée, il ne pouvait plus sortir. Mais il y avait une autre issue. Donc, elle était là, et il y avait la forêt derrière. Après, elle a entendu le bruit des antilopes, là. Marundu a dit, ah, c'est le bruit de... Ça, ce sont des antilopes. Donc, elle est entrée dans la forêt, là. Et quand elle entre dans la forêt, la chance que Marundu... Donc, ces antilopes-là étaient pourchassées par Mumbina. C'est comme ça qu'elle voit Mumbina. Elle dit, pardon, Mumbina, sauve-moi. Le monsieur qui est venu m'épouser là, c'est finalement un fantôme. C'est un Ditengu. Sauve-moi d'ici, parce que je suis là-bas au cimetière. Je risque de mourir aussi. Mumbina dit, ah, donc tu m'as refusé pour venir avec un fantôme au cimetière. Allez, suis-moi. Mumbina l'a attrapé, ils ont contourné la forêt et ils sont partis au village. Et c'est comme ça que Marundu a dit, désormais mon mari, c'est Mumbina. C'est comme ça que Marundu s'est mariée avec Mumbina. Elle a laissé l'autre fantôme qu'elle ne connaissait pas. Or, Mumbina était l'enfant du village. Donc, elle connaissait que Mumbina était quelqu'un qui était normalement constitué, même s'il avait un peu des cicatrices, mais c'était Mumbina, un humain. C'est comme ça qu'elle s'est mariée avec Mumbina. Donc, faites attention, parce que l'inconnu est un mystère. Vous allez chercher des gens que vous ne connaissez pas. Je vous ai dit la journée qu'on ne met pas la main à la gueule des chiens qu'on ne connaît pas. Nous-mêmes, on se connaît. Mais avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un danger. Les gens, vous allez chercher ailleurs, vous ne connaissez pas. Vous voyez comment le pays est gaspillé aujourd'hui, parce que le pays est géré par des gens qu'on ne connaît pas, qui ne connaissent pas le Gabon, qui ne connaissent pas le sociogramme du Gabon. Vaut mieux prendre les gens que vous connaissez. Quand ça va mal, on s'assoit, on règle ça. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les gens ailleurs. Sinon, vous allez tomber comme Marundu, qui est tombé sur ses fantômes, comme Marie, et qui a fini par l'amener au cimetière, où ça sentait les cadavres. C'est ça la vie. Quand on complique, on tombe sur ça là. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez une excellente soirée. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Thank you.
Oh, 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 oh